Mets ça. Non, papa, ça pue le vieux poulpe, je mets pas ça. Ah non, écoute, tu fais un effort. Pour une fois que tu viens, t'as vu le retard qu'on a déjà? Je t'avais dit que j'avais un truc à faire aujourd'hui. Quel truc? Jouer à la console avec tes deux potes débiles? Écoute, t'avais dit que j'étais pas obligé de venir. Sans moi, tu seras à l'heure, donc c'est ta faute. Alors, tu te fous de moi? Alors, primo, tu savais parfaitement qu'aujourd'hui, on avait un rendez-vous hyper important à l'hosto. Et ensuite, attends, Émile, qu'est-ce que tu fous? Putain! Merde! Émile! Oh! Tu remontes dans la voiture? Émile! Émile, t'arrêtes ton cirque. Mais quoi ton problème? Écoute, on a rendez-vous tous les deux, on y va tous les deux. Point, j'ai pas envie de discuter. C'est une mutation. C'est un phénomène récent. Complexe. Veuillez évacuer, monsieur, on va s'en occuper. Non, mais les gens ont peur, qu'est-ce que tu veux? Donc ça sert à rien de les enfermer. On va apprendre à vivre ensemble. N'aie pas peur. C'est ta mère, Emile. Ça va? Qu'est-ce qu'il a? Et c'est quoi la suite? Tu m'attaches à un lit comme elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon arbre est tombé sur la chaussée avec la tempête. Il y a plus de 40 disparus. Comment elle s'appelle, votre femme? Lana! Maman! Mais si tu prends des risques, on sera séparés. C'est des entités vivantes comme nous. Faut me faire confiance. On va la retrouver. Faut pas avoir peur.